Bravo. Bienvenue à tous. Chouette. Super que vous soyez là. Vraiment. Vraiment super. Ah même, il y a même du monde au balcon. Avant de commencer, juste quelques petites choses. Donc, vous avez tous et toutes quelque chose d'un peu rectangulaire, comme ça, il y a des boutons et... C'est pas faux. C'est plus Alors, donc j'ai, pour ce spectacle, je voudrais juste un peu expliquer, parce que comme je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas de quartier blanc. Qui est du quartier du Blanc? Et donc, en fait, ce spectacle est tiré d'un livre. Et ce livre a été écrit par une de mes voisines, ici, au Point de Terre, qui a écrit ce livre sur l'histoire de son quartier, petites anecdotes, tout ça. Et elle m'a demandé si c'était possible d'en faire une histoire. Alors moi, je me suis plongé dans le livre. Je ne pense pas que je suis encore sorti. En fait. Donc j'ai imaginé cette histoire. Voilà. Et ben maintenant, bon, encore une petite précision. Au niveau technique, celle-là. Donc nous avons un ingénieur du son ici. Ouais. Normalement à brancher le micro, parce qu'il faut savoir que ce spectacle est un peu particulier. Il y a une première qui s'est déroulée vendredi passé et il y a une dernière aujourd'hui. Et la première, le son, c'est un petit peu. Mais bon, ils sont là. Il y a la caméra, il y a tout, tout est là. Donc le son, l'image, c'est bon. Ça sert à rien. N'attendez pas un film ou un truc comme ça. Je suis désolé, on n'a pas trop de moyens, donc on a fait comme on pouvait. À propos de moyens, normalement je vais avoir 5 techniciens lumière avec une table de mixage, tout bazar. Il y a même un drone qui te fait arriver ici. Hein. Ils sont pas fous. Donc, vous allez me voir de temps en temps chipoter à mon interrupteur. Ne vous inquiétez pas. Alors, encore une dernière chose. Ici, c'est un peu particulier. En fait, je vais conjuguer le présent à ma guise. Le passé va jouer avec le futur. Ce sera peut-être pas parfait, mais on va faire le plus simple. Ok. Alors je vais m'asseoir, mais ça va pas durer longtemps pour ceux du bas, vous inquiétez pas. Enfin, en haut, ça va, je crois que... J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je sais où je suis. Je suis dans la terre. Oui, c'est ça, dans la terre. J'ai une énergie folle qui coule en moi. Voilà que je me sens descendre et je me faufile entre les rochers, les racines. J'avance, je fonce. Là, au loin, un trou. Ah oui, c'est ça, un trou. C'est là que le technicien manque. Une lumière. Je sors. Je sais qui je suis. Je suis un ruisseau. Je prends ma source là-bas dans le bois de l'oseille. Je m'appelle Blanri. Pourquoi Blanri? Alors moi, j'imaginais déjà des ancêtres lointains. Ah oui, ben bon, ça tourne dans ma tête. Rizière. Riz blanc, Blanri. Ça l'aurait fait quand même. Mais non. Blanri vient tout simplement du fait que le fond de mon lit est tapissé de sable blanc. Et Riz, c'est rue, petit ruisseau. Voilà, tout simplement. Alors voilà que je patauge de mare en mare.
pour débouler tranquillement dans les temps de Warlon Brew. Alors pour ceux qui ne sont pas du coin, je vous invite, vous allez y voir après, hein, d'accord, on vous expliquera. Les temps de Warlon Brew. Là je me repose un peu, mais pas très longtemps. Parce que là, il y a les grenouilles qui croissent, impossible de faire la grasse matinée. Et voilà que je passe en dessous d'un chemin, dans un tuyau PVC, gamme 38. Pas très bucolique, mais pratique. Et hop, je débouche en quelques cascades. Et là, je deviens une belle rivière. Il faut savoir que nous, les ruisseaux, rivières, étangs, fleuves, océans, nous sommes en connexion. Nous partageons notre mémoire. J'ai au fond de moi le sentiment d'être jeune, mais également âgé de plusieurs siècles. Pourtant, je tiens la forme. J'ai un truc à vous raconter. C'était vers les années 1815. Il y a eu comme un tremblement de terre dans le bois de Moselle. Mon eau a vibré dans tous les sens. Des bruits de sabots. Oui, c'est ça, des chevaux. Des centaines de chevaux sont arrivés dans le bois de Moselle. Ils ont mis pied à terre. Des soldats armés jusqu'aux dents. Ils ont fait leur bivouac, mis le feu sous les marmites. Ils se sont installés, et moi, quand tout à coup, j'ai vu arriver son cheval. Il est descendu de son cheval. Petite parenthèse. Les historiens du monde entier se sont penchés sur ce fait, ici, dans le bois de Moselle. Beaucoup le mettront en doute. Mais moi, petit ruisseau, je vous raconte comme je l'ai vu. Il s'est approché de mon nom. Il a penché son visage. Et le reflet, je l'ai reconnu. Napoléon, en personne, l'empereur dans le bois de Moselle. Ah, et incroyable, non? Et c'est là que la technique est importante. De sa main gauche, il a pris un peu d'eau pour se désaltérer. Vous avez déjà essayé de prendre de l'eau avec une main, vous? Non. Et c'est là que le miracle s'est produit. Donc moi seul, petit ruisseau, en fut le témoin. Napoléon a sorti sa main. Et comme c'était la pleine lune ce jour-là, j'ai vu dans sa main le petit bonbon rond et jaune. Oui, oui, le mystère, la légende, la vérité est apparue à moi, petit ruisseau. Napoléon est en fait friand de bonbons. Il en avait tout un paquet sous sa tunique. Comme quoi, hein? Faut pas chercher midi à 14h. Des légendes, hein? Incroyable. Un peu plus loin, je continue à courir le long d'un sentier. Et puis voilà que j'arrive devant une partie un peu plus touffue. Et là, je dois vous présenter un pote à moi. C'est un castor. Il vient du Canada. Il s'appelle Steele, pour les spécialistes. Orfèvre en la matière, hein, en termes de barrage, il n'y a pas mieux. Hein. Ce qui fait que, grâce à son travail incroyable, je me permets quelques bassins. Et surtout, on a mis 2-3 bons pontons en bois. Ah, franchement, ça me fait.
Un peu plus loin, je continue, et là, je sors avec, comme il a fait les parages, en 2-3 cascades, et puis, un peu plus loin, je me repose tranquille, dans le bois. Vous savez quoi? J'adore quand on vient jouer avec moi. Ce que j'aime par-dessus tout, moi, petit ruisseau, c'est de remplir les bottes trop courtes. Mouiller les bas de pantalon, oh, c'est mon plaisir. Et alors, transporter un petit bateau, vous savez, avec une feuille, un petit bout de bois, hein, et vous faites un petit bateau, et tout de suite, c'est les pirates du Blanc Riz, hein. C'est l'aventure. Et surtout, ce que j'aime, quand on vient s'asseoir sous mes berges. Et moi, je vous écoute raconter votre vie. Alors quoi, hein? N'hésitez pas. Venez vous poser à côté, au bord d'une rivière. Ça fait un bien fou, je vous assure. Bon, je continue. Ça descend. Et là, j'arrive juste à la sortie du bois. Et là, il y a une petite construction en pierre qui ressemble un peu à un four à pain. Il y a une petite porte, un peu conique comme ça. Et on guide mon eau dans cette drôle de bâtisse. C'est un bélier hydraulique. Qu'est-ce qu'un bélier vient faire là-dedans? Là, c'est une machine. Ne me demandez pas comment ça marche. C'est une machine qui, pof, me donne un coup derrière et projette mon eau plus loin, mais surtout plus haut. Au domaine Saint-Jean-des-Bois. Au château, là-haut. Je dois vous avouer que moi, qui suis d'une lignée de petits ruisseaux, faire couler leur fontaine à ces pignoufs de la bourgeoisie là au-dessus, ça me fait mal au cœur. Ça va, j'ai vexé personne. Je continue. Je coule le long, au fond de quelques jardins, et là, je passe en dessous d'une troupe de construction, un machin bizarre. C'est le viaduc de National 238. Ça fait un peu le titre de polar. Ah oui, mais ça, à force de fabriquer des voitures, il faut bien les faire passer quelque part. Je me souviens très bien. Quelques habitants du Blanc Riz se sont mobilisés pour... Ils ont tout fait pour que ça ne se construise pas, mais bon. D'ailleurs, c'est là qu'est né la contestation, la marque de fabrique du quartier du Blanc Riz. Mais bon, le viaduc est là, parfois l'acceptation nous permet aussi d'avancer. À propos d'avancer, je continue. Là, j'arrive près du rond-point. Vous savez, il y a un rond-point là-bas en bas. Pas bon pour ceux qui connaissent pas, quand vous repartirez, vous le verrez. Et là, on le fait passer en dessous. Alors qu'avant, au-dessus de moi, il y avait un petit pont en bois. Et moi, j'aimais bien voir les gens passer au-dessus de moi, les entendre discuter, alors que maintenant, ils roulent à fond la caisse avec leur voiture. On est dans l'espace-temps. Et voilà que je sors. Attendez, j'ai une chose à vous dire. Un secret entre nous. Vous allez voir que si vous vous rendez à ce rond-point, il y a une grille en fonte. Si vous vous mettez juste au-dessus de la grille, vous allez me voir couler en dessous. Et si d'aventure vous avez de la chance, tendez l'oreille. Vous allez entendre le tic. Et là, regardez entre vos pieds. Vous allez l'apercevoir. Qui? Le crocodile, moi. Le Blanc Riz. Mais vous inquiétez pas, il est inoffensif depuis qu'il a avalé son réveil. Voilà que je sors de l'autre côté. Je passe. Oh, j'ai oublié une chose importante. Le rond-point qui a été fait là. Avant. Il n'y en avait pas.
Et pour que les voitures aillent moins vite, il y a une habitante du Blanc-Ri. Et surtout, son contact en haut lieu. C'est grâce à elle qu'on a maintenant un rond-point là au milieu. La contestation. Marque de fabrique du Blanc-Ri. Je continue, je dépasse, je sors. Et là, je passe dans un jardin. Un jardin fleuri, mais à merveille. On a refait un petit pont en bois au-dessus de moi. Et puis, un peu plus loin, je me jette dans la ville. Mais, on se revoit plus tard. Moi, je vais vous laisser parce que je pense qu'il y en a d'autres que moi qui vont vous raconter des trucs. Fais-moi. Mais qu'est-ce que je glisse, moi, sur ces pavés, sur ces vieux pavés du quartier du Blanc-Ri? C'est qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas l'éclairage public. Tenez, je vais vous en mettre un. Je me présente. Attention, il va falloir de l'imagination. Je suis un âme. Je suis un âme. Je vais parler plus fort, Michel. Un âme. Je m'appelle Cambio. Je fais partie de la grande famille des âmes partagées. Alors, je fonctionne comment? Je me charge de presque tout, je vous tire d'affaires. Je ne dois pas passer au contrôle technique, juste faire le plein de mes cerveaux de temps en temps. Je ne demande qu'un entretien naturel. Je ne suis pas taxé. À part de têtu. Mais ça me plaît assez bien. En termes de déchets, je ne produis pas de gaz à effet de serre, juste de temps en temps quelques paix bien servies. Voilà. Alors, ça fonctionne comment en âme partagée? C'est très simple. Vous vous rendez sur mon site naturel, vous choisissez la tranche horaire qui vous convient. Il y a deux options. Soit le plein d'avoine peut être fait, je consomme à peu près 3 kg au 100, et on peut me mettre une charrette avec plus ou moins une tonne de charge utile. Voilà. D'accord. Encore une petite chose. Depuis que les écolos sont au pouvoir, on me considère comme un âne déductible. 100% d'avantage en nature. Donc profitez-en. Et qu'ils ne mettent pas l'électricité, hein, ça je vous préviens tout de suite. Hein, parce que... Voilà, moi ce que j'ai envie de faire, moi, Cambio, l'âne, vous allez me suivre, donc je ne sais pas si vous avez déjà suivi une vie, un âne avec par son derrière, faites attention parce que de temps en temps ça sort. On raconte que si vous tenez la queue d'un âne et que vous la sauvez trois fois, vous recevez un paquet. Vous allez me suivre et je vais vous promener dans l'ancien Blanc-Ri. Ok? On y va? Vous me suivez? Bon, alors on continue, on passe sur le petit pont, on monte un petit peu plus loin, et là il y a une ferme. Une grande ferme blanche. C'est la ferme de Maria Prince. Avec un nom pareil, on s'attend à tout. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes allaient travailler à l'immeuble et ils passaient par le quartier du Blanc-Ri. Si bien que Maria, qui ne perd pas le nord, elle y a ouvert un bar. Les hommes, quand ils reviennent du boulot, ils s'arrêtent. Ils laissent une bonne partie de leur paye. Il faut dire que dans ce bar, attention, que les serveuses ne servent pas qu'à boire. Le soir, tous les hommes, on les embarque dans une charrette, et moi, Cambio, je prends la charrette et je ramène les hommes un à un à leur maison. Devant la porte, leurs femmes les attendent avec un rouleau à tarte à la main. En fait, si vous voulez, je suis un petit peu l'ancêtre de votre beau. On continue. Front à gauche. De nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas le quartier, vous allez voir, vous revenez une fois quand il fait clair. On prend à gauche. Et là, il y a une bâtisse sur la droite. C'est le numéro 52. Il y a un banc devant la façade. Sur le banc,
Il y a Jules. Alors, Jules, c'est l'arrière-grand-père du petit Gilles. Ça va ? Donc, le bruit court qui pourrait tenir Noël, mais ça, on ne sait pas encore. Et voilà, c'est dommage. Jules, on le surnomme Al Blando. Pourquoi Al Blando ? Parce qu'il passait sa journée sur son banc, appuyé contre le mur, vraiment bien fraîchement chaud, Léon Blanc. Al Blando, donc c'est quand même incroyable. Blanc-Ri, Blando. Un quartier, je ne vous dis pas, mais incroyable. Alors, pour arrondir ses fins de mois, Jules et sa voisine allaient braconner dans le bois, ici, plus loin. Ben, il fait arriver ce qui est arrivé, c'est qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. À l'intérieur, une véritable fortune. Un fagot d'écus de pain. C'est que la bourgeoisie de l'époque, on ne rigolait pas. À ce temps-là, il a été condamné l'équivalent d'un an de location de terre. Avouez quand même que ça fait beaucoup de foin pour quelques aiguilles. Alors on reste devant 1952. Mais le temps change. Là, c'est Victor. Victor, c'est le fils de Jules. Ça va ? Donc, grand-père du petit Gilles, ok ? Qu'on voit souvent d'ailleurs avec une truelle dans le quartier. Alors, Victor, lui, il fabrique des ruches. Il a installé son atelier, là, au numéro 52, dans la petite maison dans la prairie. On y a fait un film d'ailleurs, mais bon. Et au rez-de-chaussée, il y a un poulailler. Des poules de luxe, hein, ça je peux vous le dire. À l'étage, son atelier. Alors, bon, évidemment. Victor, il passe une bonne partie de son temps à réparer et à faire ses ruches, surtout à faire son miel aussi à l'extérieur. Mais il faut dire qu'il y va surtout après des disputes conjugales. Ouais, chacun dans son atelier. Non, parce que maintenant, quand ça se dispute, hein, on va ensemble dans un atelier de médiation. Alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus simple. Alors moi, Cambio, je transporte les ruches de Victor, on va les vendre un peu partout dans le quartier. Je ne demande pas d'argent. Avec lui, je fais du troc. Ce que je lui demande, tout simplement, c'est un peu de miel et de la propolis. Alors, la propolis, ça n'a rien à voir avec un syndicat de policiers. Donc, propolis, c'est une matière que les abeilles fabriquent avec la résine qu'elles trouvent dans les bourgeons, sur les corps des arbres. Elles tapissent. Le ruche, c'est de la prévention. Hein? La prévention, ces dernières années, on n'en a pas beaucoup parlé dans le poste. C'était plutôt répression. Hein? Enfin, je ne vais pas en mettre une dose. C'est un compte, je me permets ce que je veux. On continue. Attention, toujours de ne pas glisser sur les pavés. Hein? On avance un petit peu, et là, à gauche, il y a un terrain. Il y a une bande de jeunes, là, à eux toutes seules d'ailleurs, qui est en train de construire leur maison. Alors ils sont tous barbus. Les chemises bariolées, pantalons à fleurs. Ils ont tous des deux chevaux ou des deux ânes, ça dépend. Ils ont l'air sympa. Ils ont beaucoup d'enfants. Moi, petit âme du quartier, j'adore ça. On continue. Un peu plus loin à gauche, il y a un enclos. Ça, c'est pour ma descendance. Tiens, voilà qui neige. Les luges sur le talus. Ça file. Un peu plus loin dans la rue, on arrive au numéro 147. Là, ça commence à sentir le pain. Il y avait une boulangerie. Et puis, il y a une vache qui s'appelle Mirabelle. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des choses parfois. Un peu plus loin, 151. Là, cette maison était occupée par les moines de l'abbaye de Clairlande. D'ailleurs, je pense qu'il y a une habitante qui est là, ici. Voilà. Un peu plus loin, 155. Je vais essayer de ne pas me planter dans les chiffres. 155,
là, à 155, c'est tout simplement Al Blondeau, du numéro 52. Vous voyez ? Vous vous souvenez ? Avant, il habitait au numéro 155. Voilà. Il y fabriquait des sabots, et moi, je livrais ses sabots au marché. Il a voulu que j'en essaye, mais ça n'a pas marché. Voilà. Un peu plus loin, donc on est au 157, là, il y a une maison, avec sur la façade, deux grandes roues de charrette. C'est celle de mon ancien modèle. Et, très important, sur la façade, vous verrez, il y a une petite niche. Elle est protégée par une grille en fer. À l'intérieur, si vous regardez bien, il y a une petite statue. C'est la statue de la Vierge à la boule. Bon, un détective a été mis sur le coup pour percer ce mystère de cette statuette. Les premiers éléments de l'enquête révèlent avec certitude que c'est la maman d'une habitante du quartier du Blanc-Ri qui les fabrique. Elle en a même fait plusieurs exemplaires, dont une se trouve sur la façade d'une maison à Binche. Alors là, on l'appelle la Vierge à l'Orange. Il y a un truc qui me vient en tête. Le petit Gilles. Il se prend les mains, je pense. C'est un drôle de quartier, quand même. Le mystère du quartier du Blanc-Ri. On continue. Vous avez le 159. Et là il y a une enseigne. Ce serait un ancien relais de poste. Bon, ça reste un mystère. Au bout de la rue, il y a l'entrée du sentier 18. C'est les barricades. Les habitants sont là. Ça y est, on passe pas. Non, non, parce qu'on veut faire passer les charrettes motorisées maintenant. On se permet d'acheter un grand, on se permet d'acheter tout le terrain. On vous croyez que ça se passe comme ça? Non, on conteste la contestation marque de fabrique du Blanc-Ri. Ils ont eu gain de cause. D'ailleurs, ils ont même racheté une partie du terrain pour qu'on puisse continuer à passer à pied. Il y a une valise, la valise bourgeois, qui veille sur le sentier 18 et sur la voie du présent. On prend gauche. Et là, on arrive au numéro 163. Et moi, je dois vous avouer, Cambio, ici, moi, je suis un petit peu fatigué. Et surtout, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai pas trop envie d'aller beaucoup plus loin. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, dans l'arbre, il y a la balançoire. Vous êtes censé pas me voir, en fait. Et j'en ai balancé des centaines de paires de fesses. À ce propos-là, je vous assure que derrière, c'est pas toujours très frais. Hein. C'est Jean-Paul. Jean-Paul qui m'a installé il y a plus de 40 ans dans l'arbre. Jean-Paul Randonk. À Jean-Paul, il n'y en avait pas deux comme lui. Hein. Ah non. Vagabond, démo, baroudeur des mers. Il en a écrit des livres. Et surtout, il a reçu de magnifiques prix. Et maintenant, il est parti. Et là, dans les arbres, on peut encore voir son souvenir se balancer. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, nombre d'historiens le mettent en doute. Mais moi, la balançoire, je peux vous dire ce que j'ai vu. Tarzan. Oui, j'ai balancé Tarzan en personne. Oui, moi, petite balançoire. Oui, j'ai balancé Tarzan en personne. Et je peux même vous dire que c'est ici qu'il a poussé son premier cri. Le cri de contestation. La marque de fabrique du Blanc-Ri.
Voilà, je vous laisse. J'ai pas trop envie de continuer à vous amener un peu plus loin parce que ce qu'il y a là-bas en haut, j'ai un peu peur. Alors je vous laisse, moi, l'âme. Je vous laisse à d'autres. Ok ? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous continuez le chemin et vous allez voir un portail en fer forgé par le temps. Ouvrez là. Vous allez continuer. Et là, vous allez voir un chapitre. Alors j'ai eu un petit souci avec mon habilleuse qui n'est pas là. Donc, je suis un château. Oui, mais bon, les autres en bas, là, ils montent bien au créneau. Ben, c'est à mon tour, maintenant. Je suis né en 1887. Ça fait vieux. Hein. Curieusement, on m'a donné un style anglo-normand. J'abrite la bourgeoisie de l'époque. On me meuble richement. Même mon jardinier a sa propre demeure. Excusez du peu. Mes fontaines dans mon jardin sont alimentées par le petit ruisseau, le petit, vous savez, oui, le petit machin en bas, le blanc riz, là. Si, ça va. De ma tour, je les prends de haut, ces petites gens là-bas en bas. C'est qu'ici, tout est à moi. Le moindre arbre, la terre, la petite écorce, le souffle qu'ils respirent, tout est à moi. La moindre petite aiguille de pain. Ils sont prévenus, là en bas. Hein. Vous aussi d'ailleurs, vous êtes prévenus. Comme vous pouvez le voir, je m'aime assez bien. C'est sans doute à cause de mes origines bourgeoises. Je vois dans vos yeux que mes origines vous intéressent. Vous avez raison. Ça vaut la peine. Vous avez le temps. Alors, juste une chose, vous savez, les vieux châteaux, on a des petits soucis de vue. Et surtout, la mémoire a tendance à passer aux oubliettes. Alors, j'ai retrouvé un vieux parchemin. Ça va les lunettes avec le chapeau, oui. Un vieux parchemin qui retrace mes origines. Alors tout commence en bas, en bord de Dyle, 1853. Théodore Mosselman du Chenois, dont le grand-père était bourgmestre de Bruxelles. Théodore, donc sénateur libéral de Nivelles, achète en vente publique la seigneurie de Limelette, dotée d'un château, d'une ferme, et la bagatelle de 220 hectares de culture générale. Théodore Mosselman, on raconte qu'il a essayé de faire pousser des moules. Là en bas. Oh. Il est revenu bredouille. Théodore était autre que l'arrière-grand-père de votre reine, Paola. C'est vrai, hein. 1876. Théodore vend à Jean Vereyden, sénateur libéral de Nivelles lui aussi.
grand propriétaire foncier et banquier à ses ors. 1885, Élise Goreldon, fille unique de Jean, hérite de la seigneurie avec son mari François-Xavier Crombé, riche propriétaire en Bourbon-Wallon, décide d'aménager ce qu'on appelle, à l'époque, le château de Lunette. Là en bas. Très vite, Élise trouve le château trop humide. Ça vient à cette époque, quand même. Alors elle décide de construire un autre château. Là-bas, sous les hauteurs, dans le domaine Saint-Jean. Votre serviteur. 1897, ça va aller très vite. Élise me vend à Émile Allo, riche industriel. 1913, Émile me vend à Eugène Lefebvre, riche industriel français, dont le fils Jean serait. Non. Non, ça j'en dis un peu trop. Ensuite, Eugène me vend à John Class. Avouez quand même. Qui lui, en 1941, me vend à Jules Bray, négociant en cuir et pendant la guerre, collaborateur à ses heures lui aussi. À la fin de la guerre, l'État fait saisir sur le champ les biens de Jules Bray. 1944, le château d'origine fut détruit. Et c'est ce jour-là que moi fus nommé officiellement château de Lunette. 1962, la commune de Lunette me vend à Émile Burnia, agent immobilier. Est-ce qu'il y a des agents immobiliers dans la salle? Mercredi 13 août 1975, il est 16 heures. Sautez. Ça sera brûlé. Ah oui. Les flammes. Je brûle, ça y est. Mais faites quelque chose, les pompiers. Je ne sais pas, moi, les pompiers arrivent. Ils ont beau essayer de m'éteindre. Cendre. Je vous salue bien bas. Mes branches, de part et d'autre de mon tronc, m'équilibrent. Je m'élève vers le ciel. Quand le vent se met à souffler, je ferme les yeux. Et je me vois bateau en pleine mer. Essayez, même si vous êtes bien ancré dans vos racines, de fermer les yeux. Vous voyagez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas lancer mes bras comme ça pendant tout le spectacle, parce que sinon ça va être compliqué pour vous parler. Je vais m'arrêter. Nous, les arbres, nous formons une grande famille pour les poselles. Nos racines dans le sol s'entremêlent et forment un véritable réseau de communication. Nous y avons notre bibliothèque de connaissances et notre mémoire. Et pour
pour ça qu'avec certains d'entre nous, on fait des livres. 1971. Le monastère de Terlande est terminé. Ça a été un fameux chantier. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, quoi. C'est incroyable. Il fait partie de notre forêt intégrante, magnifique. L'ouverture des moines au monde, exceptionnelle. Vous pouvez venir vous ressourcer, vous retrouver. Tout le monde est le bienvenu. Nous, les arbres, on les a vus là. Les petits moineaux s'installer dans le nid. Voilà, qu'est-ce que ça, goupillés là, ils se sont installés et ils ont même fait un magasin. Alors moi je dis une chose, à quand une bière trappiste du monastère de Clairland, hein, nous avons un représentant aussi. Alors quand ils prient et quand ils chantent, nous, les arbres, wow, on emmène tout ça dans le ciel. C'est notre part, nous. Et puis il y a eu William Lennox, un grand centre de soins d'épilepsie, et Farah Cleveland, qui s'est mis juste à côté. Et là, il arrive. Donc, tous les matins, l'une de ses sorties de Farah Cleveland, il s'approche près de mon tronc. Le voilà qui touche mon écorce. Voilà maintenant qui m'en serre de ses bras. Il me parle, il me raconte sa vie, ses douleurs, ses souvenirs, ses rêves. Il me dit que je lui donne de l'énergie. Car grâce à moi, il a encore envie de vivre. Alors moi l'arbre, je suis touché par ce petit être-là. Je sens ses bras qui me lâchent. Je le vois repartir dans les bois. Il reviendra demain. Et moi, l'arbre, je l'attendrai. Dominique Brackmann a rêvé de faire un chemin dans le bois. La voie du présent. Il est parti trop tôt. Il n'a pas su le faire. Alors c'est les habitants ici. Et puis d'autres du quartier se sont mis ensemble, ils ont fait le chemin, ils ont tracé ce chemin à travers nous les arbres pour la découverte de la nature. Alors ils ont installé des petites statues toutes aussi rigolotes et drôles et insolites que l'une que les autres, il y en a une vingtaine. On aime beaucoup nous voir tout ce petit monde se balader sur ce chemin, nous toucher, nous regarder. Les enfants rient surtout. Et nous, on les entend. Enfin, pas tous. Certains sont un peu durs de la folle. Ça va parler à certains, à d'autres un peu moins. 2007. Je fus la première à être construit ici, au bois des terres. Je suis la maison commune. C'est moi qui vous accueille. Bienvenue chez moi. Il fait chaud, hein? Non? Hein? C'est bon, hein? Alors il fait chaud parce que c'est grâce à ma chaudière à micro-cogénération. Ouais. Je suis alimenté en gaz de ville et avec ça je produis de l'électricité que j'envoie
aux autres maisons et aussi, de l'eau chaude dans leurs radiateurs. Donc ils ont intérêt à être sympas avec moi, les habitants. Hein? Sinon, je coupe les vannes. Mais ils sont sympas. Oui, à tour de rôle, ils m'entretiennent, ils me réparent, ils me repeignent, enfin non, pas repeignent, mais ils m'inspirent, ils me rangent, enfin bref, ils prennent soin de moi. Je les ai vus arriver, l'un après l'autre, ici à construire leur maison. Au début, je servais de réunion de chantier, et puis c'est le bar. Ils y sont arrivés, ça n'a pas été facile. Non. Ça n'est pas d'ailleurs toujours beaucoup plus facile. Hein. Non. Si c'était facile, tout le monde le saurait. Hein. C'est qu'ici, chez moi, on organise plein de trucs. On fait du tai chi, du yoga, du jujitsu, du taekwondo, du kluedo. Alors on organise des discussions techniques, philosophiques, caractéristiques, philosophiques et encore autres. Le hic. Il y a un trou de mémoire, ça peut être. On y joue de la musique et on raconte même des histoires. Alors on fait aussi des réunions de concertation où, après pas mal de frictions, on arrive parfois à de grandes décisions. Un jour, par mes grandes fenêtres, là, j'ai aperçu un drôle de convoi. Mélange de caravanes et de roulottes, fabriquées en bois, elle a un petit peu des allures de pangolin. En fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, le pangolin, c'était assez tendance. Hein. Tiré par un énorme 4x4, je me demande même si c'était pas un 6x6. Tout ça a été tiré là-bas derrière, on a tiré la tiny house, là, ici, dans le bois Belter. Il y avait du monde pour voir ça, hein, pour dire qu'elle fut la première, hein, la première à avoir reçu un aidez-moi. Voilà. En Wallonie. Voilà. Ici, il y a des vélos et des âmes un peu cassées qui déraillent parfois. Alors on essaye de les réparer. Ici, le jour de l'épiphanie, pour 12 personnes, il y a 5 gâteaux et 2 rêves. Ici, on tricote, on coupe, on masse, on dessine, on fait des murs en pierre sèche. Ici, on écrit des livres avec lesquels on fait des histoires. Ici, il y a de la bienveillance, de l'amitié, de l'amour, du respect. Oh, mais ici, on s'engueule. Hein. Comme partout ailleurs. Hein. Et comme partout ailleurs, ça se termine souvent autour d'une bière là-bas au bar. Ici, il y a 2 chevaux sortis tout droit d'une BD de Butinoué. Il y a une famille d'ânes adorables, un troupeau de moutons. Ici, c'est incroyable. Quand vous allez dans une maison, vous montez à l'étage, vous avez un palier à votre droite, et il y a une poule. Quand je vous dis que ce quartier, le bois des terres est incroyable. Alors, vous comprenez pourquoi moi, petite maison commune, je suis très fier de mes petits habitants et habitantes du bois des terres. Bientôt. Je vais accélérer un peu, Michel. J'accélère. Il fait noir. Pour la troisième fois. Il fait noir. Mais j'ai pas peur. Non. Parce que je sais où je suis. Je suis dans une falaise. Je suis
Je suis un rocher. Oui, un rocher. Je me sens indestructible. Rien ne peut contre moi. Il y a juste une chose. C'est que j'ai envie de voir le monde. J'ai envie qu'on vienne me chercher. Ouais, je rêve de ça depuis des centaines d'années. Ça commence à trembler autour de moi. J'ai senti des pics, du bruit de machines, et puis là, c'est une énorme pince en fer qui est venue m'extraire de la falaise. Et on me dépose par terre. Et c'est là que je l'ai vu arriver. Dans sa petite voiture bariolée, un peu gringalante. Alors elle a un petit chapeau sur la tête, un casque sur les oreilles. Des mains calleuses, une salopette poussiéreuse, la voilà qui tourne autour de moi. Ces petites mains, elles m'auscultent. Le moindre petite trace, la moindre petite faille, elle sait exactement ce qu'elle va faire de moi. Et moi j'ai confiance. Voilà qu'on me retransporte, on me met sur un camion. Et là on me porte dans un petit village. Elle est revenue. Mais elle n'était pas toute seule. T'as un échaudon. Burin, disqueuse, tout le bazar. Et voilà qu'elle me façonne un visage. Waouh. J'ai un début de visage. Mais il fallait qu'on termine. Il fallait terminer ce visage. Il fallait que je serve à quelque chose, il fallait que je trouve ma place. Alors elles se sont mises à deux. Une habitante du Blanc-Ri a eu un rêve. Du Bois d'Inter a eu un rêve. Avoir ici une pierre façonnée pour elle. Je suis arrivé ici, on m'a déposé là. Et là, elles se sont mises à deux. L'une avec ses idées et l'autre avec ses burins. Et mon visage est sorti vraiment ce jour-là. Enfin, ce jour-là. Pas duré, quand même. Et depuis, je suis là, je veille. Je veille sur cet habitat groupé. Sur tous ces énergumènes ici, là. Je suis là. J'essaye de leur donner un petit peu de force. Et encore plus. Depuis peu. Ah ben. Je suis éclairé. Voilà, c'est moi, Blanc-Ri. Je vous avais dit que je reviendrais alors, ce quartier. Vous en avez appris un peu plus. Hein. Mais il y a juste un truc que je voulais pas vous dire. Après, je vous laisse. Après, je vous laisse me voir. Et pas vous. Mais moi, ce petit quartier du Blanc-Ri, il me fait penser étrangement. Et là, je mets un astérix. Dans le texte, un village gaulois, résistant à l'envahisseur. Et pour preuve de ce que je raconte, il y a un menhir planté là-bas, vous allez le voir. La contestation. Marque de fabrique. Voilà, moi je vous laisse, je vais plonger dans la mer. Et merci beaucoup pour vos oreilles.
Donc, une petite chose à dire. Donc, cette histoire est tirée du livre Cannes, France, un cri. On est en vente. Voilà. Il est en promotion. Alors, aussi, ce spectacle a été filmé. Enfin, normalement, ça a marché. On espère. Et si ça a marché, notre technicien en chef, ici, va faire un film avec ça. Hein, il va faire un montage. Et ce film sera mis sur sa chaîne YouTube. Yeah. Voilà. Alors, sa chaîne YouTube s'appelle... Embarque avec moi. Embarque avec moi.